sur ma first vidéo de ma nouvelle chaîne YouTube, Love Gigi Power. Nous allons vous présenter Sébastien qui vient en bénévole volontaire. Sébastien, je te présente toi. Salut. Ok, on va tout d'abord commencer par hydrater la crème et c'est parti. Alors voilà, on fait un petit point ici, un petit point ici, 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 voilà, parfait. On étale bien la crème, voilà. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de blanc nulle part. Tu es magnifique, on a bien hydraté ta peau et tout. Ok, on va partir sur un primer vert pour cacher tes rougeurs. Voilà, on fait 3 gros traits. Oh, on va en mettre un peu sur le nez parce que bon, t'es rouge du nez quand même. Hein. On étale bien pour que le primer imprègne bien la peau. Vous voyez, le fond de teint que j'adore utiliser avec le Beauty Blender, bien sûr. Non, mais ça, c'est parti. Ici, ici, ok. Ensuite, c'est parti pour étaler. Que ce soit bien uniforme. Vous faites mal, là, voilà, tout va bien se passer. T'inquiète pas, Estelle, c'est super. Voilà, ensuite, on passe au front. Ouais, non, mais moi, j'étais voilà. Pas venu ensuite, pour ça, là-bas. Voilà, ensuite, ok. Ça colle! Ça va bien se passer, t'inquiète pas! C'est le moment le plus embêtant et le plus compliqué dans un super make-up! Et voilà, tu es super! Un teint, zéro défaut! Donc nous allons continuer! Ah, oh, mais je suis allergique normalement! Ok, parfait! Un teint, zéro défaut! Pour la première partie d'un super make-up. Nous allons ensuite continuer avec le contouring. Donc nous allons marquer bien sûr les joues et faire un 3 comme ceci pour pouvoir marquer le contouring du visage. Sois prie chérie, vas-y fais ça. Ah c'est magnifique. Donc on commence par creuser les joues, voyez, on tourne la tête. Voilà, juste comme ceci. Tu regardes toujours. Voilà. Oui voilà, tu gardes la bouche comme ça, c'est parfait. Ça permet de creuser le visage. Je vais vous montrer de l'autre côté. Voilà, parfait. On va venir sur le front pour marquer le contouring du front, vous voyez. Et ensuite, nous allons faire le contouring du nez. Voilà, nous pouvons repartir du coup sur la prochaine étape qui est l'étape du sourcil. Et oui, les amis. Alors, nous allons utiliser non, la teinte blond. Parce que le blond, c'est ce qu'il y a de plus beau, vous voyez. C'est parti. Surtout, ne bouge pas, chérie. Non, mais je suis brun. Voilà, on va tout d'abord dessiner la forme du sous-sal, vous voyez. Donc, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, je remplis. Alors, quand on est juste à ce niveau du sous-sail, n'hésitez pas à faire des traits à la verticale pour que votre sous-sail soit complètement carré, voyez. Et ensuite, continuez sur la courbe de votre sous-sail. Comme ceci. Bouge pas, s'il te plaît, chérie. Je bouge pas. Regardez cette magnifique différence. C'est magnifique. Moi, là-bas, j'étais juste venue prendre okay, un café. Ok, ensuite. Et voilà, magnifique. J'adore. C'est sublime, sublime. Et pour être sûr d'unifier du coup notre petit style, nous allons prendre cette petite brosse. Voyez hein. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ça brosse. Magnifique, n'est-ce pas les amis? Oui, c'est magnifique, j'adore. Ensuite, donc, nous allons passer aux yeux. Donc, ça, mais tu touches pas à mes yeux là. Nous allons donc commencer par unifier la paupière entière avec du blanc. Il n'y a rien de mieux pour unifier la paupière. C'est parti. Allez, c'est parti. Alors, il ne faut pas hésiter à prendre de la matière, vous voyez, comme je fais. Pour que ça se voit bien, vous voyez. Parce que sinon, bon, ça se voit pas, c'est pas trop intéressant. Le maquillage, c'est fait pour transformer quelqu'un. Et le but, c'est ça, transformer Sébastien en le plus beau mec de l'univers. Et voilà, maintenant la paupière est unifiée. C'est magnifique. Regardez-moi ce travail, c'est sublime.
Nous allons donc maintenant intensifier le creux de la paupière. Vous savez ce qui sépare la paupière qui bouge et la paupière qui bouge pas, voyez? Et donc, on va prendre une couleur plus foncée. Et pour cela, rien de mieux que le foncé du blanc, c'est quoi? C'est noir. Alors, on va prendre du noir. Vous allez prendre ce noir-ci, d'accord? Vous en mettez plein sur votre pinceau et on va du coup le mettre sur le creux de la paupière. Ça me gratte l'œil là quand même, c'est normal. Je pense qu'il y a un peu de poudre aussi. J'avais dit que j'étais allergique. Mais non, mais t'inquiète, tu vas être sublime. Il faut souffrir pour être belle, n'est-il pas, les chéries? Oups. Comment ça, oups? J'en ai un petit peu trop mis, c'est pas grave. Vous prenez votre main, votre doigt et vous enlevez le surplus de matière. Voilà, parfait. Oh! Parfait! On va donc estomper au maximum pour faire un regard fumé. Et on estompe en faisant des petits ronds. Voilà, magnifique. On fait l'autre côté. Je vais prendre la couleur pink ici. Pour justement intensifier le regard avec une couleur très peps, très summer. Ferme les yeux, baby, merci. Ok, magnifique, on fait l'autre œil. Allez, c'est parti, on fait l'autre œil. Oh, mais j'adore cet enthousiasme, baby, tu es super. Ok, je vais utiliser une couleur que j'adore, c'est la garnet, que je vais appliquer avec mon doigt. Donc, on prend de la matière sur le doigt, comme ceci, et on va venir, ferme les yeux, baby, étaler sur la paupière pour justement intensifier, parce que rien de mieux que les paillettes. Il y a des paillettes là. Perfect baby, tu es sublime, regarde-toi, tu es magnifique, j'adore. Je suis en train de gonfler là. Maintenant, passons au mascara. J'utilise le Paradise Ecstatic de chez L'Oréal. Une merveille. Voilà, attention, tu vas regarder en haut s'il te plaît baby. Voilà, donc n'hésitez pas à en mettre plusieurs couches. Voilà, magnifique. On passe à l'autre œil. Allez, on passe à l'autre œil. Tu es super! Oh, j'allais oublier! Rien ne peut être un super make-up sans l'highlighter! C'est parti! L'highlighter, il n'y a rien de mieux, du coup on en met le paquet. L'autre joue sur le bout du nez, sur l'arc de Cupidon, juste ici, voyez. Et bien sûr un peu sur le front parce que faut briller dans la night. Ensuite, nous allons passer au rouge à lèvres. Je vais utiliser un rouge à lèvres que j'adore. Le Lip Story de Sephora. Regardez cette couleur. Voilà, c'est parti. Allez, alors pompiers. Baby, fais ça. Fais la bouche en fil de poule, baby. Alors, vu qu'il a une bouche toute rikiki, je vais insister encore plus et monter un tout petit peu plus haut sur son arc de lèvres pour pouvoir ainsi avoir une bouche beaucoup plus intéressante. C'est parti, baby. Magnifique, j'adore. Pour terminer ce make-up masculin, tout ce qui a fait tendance, de la laque pour coiffer ce magnifique cheveux. C'est parti. Arrête tes conneries. Et voilà, c'est terminé. Perfect baby, perfect. Bon, et bien voilà les girls, c'est terminé pour ce first tuto make-up. J'espère que ça vous a plu et que si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce vert juste en bas ou un petit pouce bleu selon quel réseau social vous avez. Et voilà. Je m'appelle Pompier. Salut, dis au revoir. Au revoir. Au revoir les gars, à bientôt pour une prochaine vidéo.